Sans doute est la dernière étape de ma vie lituanienne que je vais aborder. Plus de 4 ans déjà passés dans ce pays. Si les Russes rappliquent, il me sera impossible, forcé en rupture de banque, de revenir. Parfois, lentement, je revois défiler tous ces événements qui auront marqué à jamais mon existence. Comme la guerre et la maladie, la prison marque un être pour toujours. Une cicatrice indélébile. Le détenu a appartenu à un autre monde qui lui fait considérer celui-ci avec une sorte de détachement. Je suis sûr qu'à son corps défendant, l'ancien détenu pense parfois à sa cellule avec nostalgie. Un monde incolore, ni ciel bleu, ni verdure, ni robe, ni garde de jeune fille, auquel s'accorde quelquefois, paradoxalement, un sentiment de quiétude. La peur est refoulée pour un temps. À l'abri, comme un rat dans son trou, comme une chrysalide blottie dans un cocon, inconscient de sa future métamorphose. Bien sûr, il y a eu la faim, l'humiliation, les interrogatoires à 3h du matin. Mais comment oublier cette camaraderie, cette fraternité provisoire mais émouvante, qu'on ne trouve plus dans le monde des vivants? Souvenir de la maison des morts? Non. Ce n'est pas la mort qu'on a subie, c'est notre enfance qu'on a retrouvée. Une enfance tragique, qu'il m'a fallu traverser, comme Dante a traversé l'enfer, pour devenir un homme nouveau, une ascèse. Je pense à ces monastères rigoureux d'autrefois, où jeûne et mortification sont prolongés. Nous le moins attendons.